Bonjour. Donc, dans cette petite vidéo, je vais vous montrer comment faire des torsions. Moi, j'adore les torsions. Je trouve que ce sont des postures qui font énormément de bien au corps, mais aussi à la tête. Donc, parce qu'elle se sort tous les muscles, la colonne vertébrale. Et quand on reste à respirer, du coup, on s'oxygène, on oxygène le sang et on nettoie le mental aussi. Donc on prend toujours la même posture que tout à l'heure, c'est-à-dire sur le devant de la chaise, en alignant les hanches, les rotules, les deuxièmes orteils. Ensuite on s'auto-grandit en poussant avec les ischions et en tirant de la nuque vers le ciel. On descend les omoplates, on écarte les épaules vers l'extérieur. On va faire la posture la plus simple. Donc je vais me tourner vers vous, donc je vais mettre la main gauche derrière les fesses et m'agripper de la chaise pour m'aider en baissant l'épaule. Ensuite, je vais mettre la main droite sur l'extérieur de la cuisse gauche. Je descends aussi mon épaule. On va résister ici. La main et la cuisse vont s'aider mutuellement à résister pour ne pas partir avec les hanches. Les hanches doivent rester bien en face. On s'auto-grandit à nouveau, on inspire et à l'expiration, on commence à se tourner en rentrant légèrement le menton, on le recule. Peut-être qu'on peut tourner que les épaules, c'est déjà très bien. Vous surveillez que l'épaule ne monte pas, qu'elle ne tombe pas vers l'avant. En principe, c'est pour ça que j'aime la chaise, parce que ça va vraiment vous aider à garder la bonne posture. Ce bras aussi, vous pouvez tourner la main vers l'extérieur. Ça aide aussi à garder la rotation externe de l'épaule. Parce que bien souvent, on va vouloir tirer avec cette main et tirer de l'épaule vers l'avant. Et c'est très, très mauvais pour l'épaule. Donc, il faut garder la rotation externe de l'épaule, quitte à tourner tout le bras en rotation externe. Peut-être que vous pouvez garder la tête en face ou commencer tranquillement à la tourner. Toujours, vous imaginez que vous êtes chez le kiné qui est en train d'étirer vos cervicales vers le plafond. Et de ce fait, vous allez sentir que votre menton recule. Et là, à nouveau, on va rester cette respiration. Vous allez sentir que la respiration est différente puisqu'on est en train de comprimer toute la région abdominale. Mais tout ça, c'est très bénéfique pour les organes abdominaux, pour les muscles abdominaux. On les étire, on les renforce. On renforce et on étire les muscles dorsaux. Donc, ce sont des postures qui sont superbes pour la bonne santé. Ensuite, vous tournez de l'autre côté. Vous grandissez, vous descendez les épaules et tranquillement, vous tournez. Si vous êtes à l'aise dans cette variante, si vous avez l'habitude, alors à ce moment-là, vous pouvez faire un petit peu plus fort, c'est-à-dire que vous allez monter l'avant-bras sur le dossier. Et là, il faut vraiment résister avec les hanches, parce que comme c'est plus dur, on va vouloir partir avec le bras. On met l'autre bras en rotation externe, parce qu'il va falloir résister peut-être plus. Gardez toujours le bon écartement de vos genoux. Descendez les épaules et tirez-les vers l'extérieur. Évitez de les laisser monter. Vous grandissez en vous repoussant de la chaise. Vous reculez le menton. Vous imaginez que vous êtes chez le kiné. Et vous respirez là. Tranquillement. Soit toujours par le nez. Soit vous inspirez par le nez et vous expirez par la bouche. Et comme je disais précédemment, vous essayez de remonter les muscles du périnée, les muscles autour des sphincters, d'expirer après. Et après, vous allez inspirer profondément. Ça va vous aider à bien respirer. Vous remontez les muscles du périnée, vous expirez. Et après, vous inspirez, vous pouvez relâcher les muscles abdominaux. Puisqu'on est dans des postures qui sont aussi de détente, on n'a pas forcément besoin de garder
tous les muscles abdominaux contractés pour l'instant. Dans d'autres types de postures, oui, mais là, ici, ça ne serait pas le cas. Et ensuite, on relâche, on étire le ventre, on peut même lever les bras. Et on essaye de sortir les fesses, d'étirer le ventre le plus possible sur les cuisses. Et en dernier, on relâche les bras et la tête en essayant de passer les aisselles devant les genoux. Puis la tête vers le sol. Ensuite, vous posez les mains sur les cuisses. Vous regardez devant et vous vous aidez à revenir avec le dos droit. Merci, à bientôt, prenez soin de vous.